Salut, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir ma boutique. Il y a des tas d'objets à l'effigie de mes vidéos, du roleplay prison, du roleplay école, des vidéos avec mon fils et plein d'autres choses. Donc tu trouveras des t-shirts, des mugs, des sacs, des stickers et plein d'autres choses. Donc le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller acheter des produits et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Et bonjour tout le monde, Soximoz, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, eh bien il y aura un truc de spécial, je sais pas encore. C'est ma copine Alice qui va me le dire. Elle a un truc à me dire, elle m'a dit c'était un secret et tout, qu'il fallait qu'elle me l'avoue parce que c'est important pour le roleplay. Et bah du coup on va découvrir ça, moi-même je sais pas. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un maximum de likes, et ma caméra est en train de tomber. Une vue est égale à un like. Et voilà, donc et évidemment, le plus important les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je sors des vidéos tous les jours. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien créez-vous un compte YouTube. Vous allez dans création, connexion, créer un compte et tout. Ça prend 2 minutes à faire. Et après vous vous abonnez, c'est le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Il est juste là. Voilà, il est juste là. Vous cliquez pas sur l'écran, évidemment, vous cliquez sur le bouton juste en dessous. Et vous savez qu'aux 540 000 abonnés, on va voir Usko. C'est mon pire ennemi. Et du coup on va le défoncer tout simplement. On va l'éclater. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. On va le fumer. Donc comme d'habitude, je tenais à remercier les ou le ou la même la nouveau sponsor d'aujourd'hui. Donc voilà, la vidéo c'est pour toi tout seul ou toi toute seule en tout cas. Merci beaucoup Gaël Prigant. Voilà, j'espère que je le dis bien. Donc merci beaucoup à toi. Donc voilà, c'est l'abonné du jour on va dire. Là franchement c'est royal hein. C'est royal. Donc voilà, si vous voulez devenir membre et avoir une dédicace dans la vidéo de demain, eh bien n'hésitez pas. C'est le lien devenir membre qui est dans la description. Et les t-shirts qui sont juste en dessous pour avoir un magnifique t-shirt, un sweat, un mug, un sticker, un sac, n'importe quoi, ce que vous voulez. Il y a toutes les tailles de 16 mois, 4, des enfants de 14 mois jusqu'à des enfants ados, adultes et jusqu'à du 5XL adulte. Donc il y a absolument tout. Il y en a qui disent ouais, j'ai 10 ans et tout, je trouve pas ma taille. C'est que vous n'avez pas regardé le bon t-shirt. Il y a plusieurs t-shirts avec le même motif. Par exemple, vous avez plusieurs annonces de ce t-shirt avec le même motif, mais il y a plusieurs catégories d'âge. Il y a enfant, il y a t-shirt taille enfant, donc de 18 mois à 6 ans, t-shirt enfant slash ado, donc de 6 à 12 ans, et t-shirt classique, jusqu'à 5XL, etc. etc. Donc voilà, il n'y a pas eu d'autres photos, en tout cas, j'ai pas vu d'autres photos, donc voilà, je les remercie encore, donc ceux qui ont pris les mugs RP école et le suite avec toute la famille. Donc d'ailleurs, je vous avais dit que c'était le suite RP école, le t-shirt RP école qui avait été le plus vendu, mais pas du tout, c'est celui-là et de loin, il y a eu vraiment beaucoup de commandes et tout, donc voilà. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent les commandes. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre mon Discord, c'est gratuit. Vous savez, Discord c'est un logiciel pour parler entre plein de communautés. C'est un chat pour gamers et du coup vous pouvez le rejoindre, c'est gratuit. Et il y a toute ma communauté sur ce Discord et en plus vous avez un code de réduction dans le channel annonce du Discord. Rien que pour les membres du Discord. Voilà, ça fait plaisir. Donc rejoignez le Discord, ça fait super plaisir. Et abonnez-vous à mon Instagram. Donc maintenant que c'est fait, la petite pub est faite, et bien voilà, on va rentrer à la maison. D'ailleurs, vous savez ce qu'on va faire? On va enlever toutes les décos, mais je sais même pas si on peut appeler ça des décos. On va enlever tout ça dans le jardin. Voilà, puisque en attendant qu'il y a Alice qui arrive tout simplement. Donc je vous rappelle, Alice, c'est Léa en fait. C'est Léa, c'est ma copine, mais sauf qu'en fait elle m'a avoué qu'elle c'était un espion envoyé par Usko. Voilà, elle me l'a avoué il y a quelques vidéos, donc allez voir ça, c'est super important les amis. Et du coup en fait en vrai elle s'appelle Alice, donc c'est super important. Merde, bon on va le jeter comme ça, voilà, comme ça. On est bon les amis. Hop. Voilà. On va le mettre comme ça. Et c'est parfait. Donc voilà, c'est super important de suivre tous les jours le roleplay. Sinon, vous allez être perdu. Tous les jours, les épisodes, ils se suivent en fait. C'est pour ça qu'il faut regarder tous les jours. Si vous loupez un ou deux jours, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que vous comprendrez un peu moins bien l'histoire. Donc normalement, elle devrait arriver parce qu'elle a un secret à me dire. Moi, j'ai bien envie de savoir ce que c'est comme secret quand même. Donc voilà, elle m'a dit que c'était important, c'est par rapport à des événements qui se sont passés il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je l'attends de pied ferme finalement. Donc bonjour, comment ça va? Tu t'as même pas sonné? J'ai sonné. Ah t'as sonné, j'ai pas entendu. Attends, j'ai sonné deux fois. Ah ouais? Attends. Oui. Attends, mais vas-y, sonne là. Ok, et maintenant sonne là.
Ah ouais, non mais je t'entends. En fait, je l'ai pas entendu. J'étais trop loin. Ça va? C'est pas grave. Bah ça va et toi? Bah ça va super bien. Écoute, tu m'avais dit que t'avais un secret à me dire, c'est ça? Parce que je comprends pas trop. Moi, je connais tout ici, là. C'est à propos de Lucky. Ah, mon hamster. Ah mais non, mais ça sert à rien de m'en parler. Je l'ai fait adopter à un inconnu, enfin à un ami de Carlos. J'ai pas très bien compris parce qu'il est devenu trop méchant et tout. Mais... Ouais. Justement, s'il devient méchant, c'est à cause de Usko. Ah ouais? Comment? Attends, je comprends rien. C'est à cause de Usko qui est devenu méchant, qu'il. C'est-à-dire que c'est à cause de Usko qu'il a mangé la jaune de Manon? Oui, c'est parce qu'il lui a mis une carte électronique en fait pour que bah il vous fasse du mal. Comment tu sais ça? Bah, il me l'a dit. Ah, ouais. Ah ouais, quand t'étais encore en train de lui parler, quand t'étais encore espionne pour lui? Oui. Ah ok. Donc attends, là tu vas me dire que pendant que t'étais espionne pour lui, tu l'entendais parler de trucs à propos de Lucky, c'est ça? Genre... Oui. Ah ouais. Tout entendu. Ah ouais, et son but c'était quoi? C'était de tous nous manger la jambe comme il y a eu avec Manon ou quoi? C'était de nous tuer? Plus ou moins, oui, plus de vous tuer. Ah ouais. Ah ouais, donc... Waouh, mais Usko, c'est un taré. C'est un taré. C'est un fou. What the fuck? Attends, là tu vas me dire que au début son plan c'était... De injecter une carte dans Lucky pour pouvoir nous tuer via Lucky en fait. C'est Lucky qui était censé nous tuer. Oui. Wow. Ouais les amis, vous entendez ça? Mais c'est un truc de fou ce que tu me racontes. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'ai pas eu l'occasion. Ah, encore. Ouais. Bon, ouais, mais là du coup, ça veut dire que si on lui enlève la carte électronique, tu saurais faire toi pour qu'il redevienne gentil? Oui, j'ai le remède. Ah, t'as le remède? Oh, trop bien. Bon, attends-moi là, je dois parler à mes abonnés, ok? Bon, les amis, vous entendez ça? C'est la première fois que... What the fuck? Bon, bah, comme je vous dis, je suis étonné tous les jours. Donc, en fait, mais en vrai, ça, je dis je suis étonné tous les jours, mais ça m'étonnerait même pas, ça m'étonne même pas de Usko. Il cherche par tous les moyens à nous tuer. Et en fait, quand Lucky il est devenu agressif, mon petit hamster chéri, et ben en fait, c'était pas de sa faute. C'était justement parce que Usko lui a intégré une petite carte, une petite puce électronique, ça doit être dans le cerveau, je pense. Et justement, ça l'a rendu fou et il a voulu manger la jambe de Manon et il allait carrément la manger en entière en fait, Manon. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah ouais, du coup, nous on a cru qu'il était juste devenu fou et on l'a donné à un inconnu. Et d'ailleurs, un inconnu qui s'est avéré être un ami de Carlos. Donc du coup, je pense qu'on devrait pas avoir de difficulté à le retrouver. Faudrait que j'aille voir Carlos pour voir si, si justement il y a pas moyen de le récupérer. Il y a des coups de feu chez moi, je suis désolé. C'est assez étrange. Genre, ils sont vraiment forts, donc bref. Du coup, je suis perturbé. Ouais, du coup, je vais aller voir Usko. What the fuck? Bon, je vais pas aller voir Usko. Du coup, Alice, viens, tu vas venir avec moi. On va aller voir Carlos, du coup. Parce que lui, il sait où il est. Il sait où il est, Lucky. Vas-y. Tac, on va y aller. On va y aller les amis parce que là, oh merde, j'ai des super pouvoirs, Bon, tac, voilà. Oh mais je viens de me rendre compte qu'au début de la vidéo, juste avant la vidéo, j'ai viré mon gun. Bon bah c'est pas grave. Ok. En plus il pourrait servir contre. Attends, je vais juste reprendre mon gun parce qu'il pourrait trop servir, tu sais, pour paralyser Lucky. Parce que Lucky s'il est contre nous. Bah même chose, hein, c'est comme Alicia si elle est contre nous parce qu'elle s'est fait matrixer par Usko, il faut absolument le gun. Il faut absolument le gun pour pouvoir le paralyser, voilà. Donc voilà, il est là. Voilà, oh là, ah, il est trop puissant ce truc là. Trop bien. Alors, où est-ce qu'il est ce Carlos là? J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus il y a des trucs dans sa maison, c'est le bordel chez lui. Bon, allez, on va toquer. Carlos? Je vais pas là, Carlos. Ah, il est là. Allez, viens, vas-y, rentre, on va essayer de voir où il se cache. Où est-ce qu'il est, Carlos? Carlos, je sais que t'es là. Ouais, Carlos, il est pas là. Il faut sortir de sa base. C'est vrai? Attends, tu me fais une blague? Non, il est vraiment pas là. C'est la sécurité qui m'a dit ça, c'est un haut-parleur. Qu'est-ce qu'il... Il est là! Qu'est-ce qu'il raconte? Non, il est pas là. Il est là? Ah, t'es trop con, Carlos. T'es trop con. Désolé, mais j'ai pas envie de parler aux gens en ce moment. Comment ça, t'as pas envie de parler aux gens? Je suis pas très sociable en ce moment. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
J'ai envie de me trouver une copine, j'en ai marre d'être tout seul, moi. Ah, mais on va te trouver une petite... je vais te dulciner, bro. Oui, on te trouvera ta dulcinée, Carlos, t'inquiète pas. J'ai déjà Alice au Pays des Merveilles, mais ça me suffit pas. Arrête, c'est elle est à moi, Alice. Ah, désolé, pardon. Tu sais quoi, un jour je vais te trouver une copine. Là, vous m'avez chauffé là. Tu m'as chauffé, Carlos. Les abonnés. Attends, chaud. Je suis chaud pour te trouver une copine. Donc, les abonnés, si vous avez. Les abonnés, tu préfères une fille, hein. On est d'accord. Ah, ouais, les garçons de homo, hein, je sais pas moi, c'est pas moi, c'est pas mon délire, ça. Bon, s'il y a une fille, qui est amoureuse de Carlos, eh bien, Carlos, voilà, a besoin d'une copine. Donc, voilà, dites-moi en commentaire. Et au pire, likez à fond la vidéo parce qu'il y a moyen que bah en face une vidéo où on cherche une copine pour Carlos tout simplement. Voilà. Ouais, t'es content comme vrai, ça? Je fais une annonce en vidéo. Ouais, je suis content. Yes. Comme ça moi je pourrais recevoir plein de copines. Là t'auras plein de copines chez toi là. Si y en a beaucoup, bah autant d'avoir plus que pas assez, hein. Bah voilà. Et de toute façon comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. 10 de retrouvée, parbleu, ça c'est vraiment trop bien ça. Voilà. Bon Carlos, j'ai besoin de ton aide. En fait, tu vois, comme Alice avant, elle était espion. Un peu des merveilles, oui. Elle était espion pour Usko. Et ben en fait, elle m'a raconté que elle a entendu Usko discuter de pouvoir nous tuer avec un outil, tu vois. Et cet outil-là, c'était Luki. Ouais, il voulait servir de Luki pour nous tuer. Et en fait, il a un peu réussi parce qu'il avait mangé la jambe de Manon, tu te rappelles? Oh, oui, je crois, mais ça sent que le Coca-Cola qu'on a donné, c'est Oscar qui nous l'a donné, hein. Et ben, en fait, c'était pas du Coca-Cola. Je me suis trompé sur toi. C'était quoi? En fait, c'était Usko, il lui a inséré une puce électronique dans le cerveau, et du coup, ça l'a rendu fou. Il l'a encore, là, la puce. Et là, il l'a encore. Donc, du coup, en fait, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est récupérer Luki, et c'est, du coup, elle a un remède pour pouvoir le rendre trop gentil, et comme ça, on le récupère, et tout redevient comme avant. Mais pour ça, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Luki, on l'a bien, il s'amuse bien avec lui, Oxybos. Il s'amuse bien avec qui? Oui, avec moi et Dédé. Avec Dédé? Bah oui, parce que on était censé le donner à un inconnu et finalement c'était ton ami Dédé, donc voilà. Oui, je sais. Bon, peut-être qu'il s'amuse bien, mais nous on a quand même envie de le récupérer parce que c'est notre hamster. Et Loupi, tu sais, c'est sa copine. Loupi, ouais. C'est la copine de Luki, c'est sa copine hamster. Bah elle se sent vraiment seule et elle est en dépression là. Bah c'est pas grave, au pire je vais lui dire bonjour. Non, il faut vraiment la ramener. Donc du coup tu saurais où elle est, Luki ou pas? Pour pouvoir. Je pense savoir. Il est dans ma petite cagette, ou soit dans mon lit, ou soit dans la petite cage qu'on lui a fait à l'extérieur de ma maison, dans la ville de tout le monde là. Ah oui, donc c'est dans l'autre ville du coup. Oui, voilà, c'est dans la ville de Takado, Waris et tout. Ok. Bon bah du coup, ça te dirait de nous emmener? Oh, je sais pas. Laisse-moi réfléchir. Ok, comment ça aller? Bah de toute façon, on lui donnera pas trop le choix. La réponse est non. Mais t'as pas réfléchi, Carlos? Bah ça j'ai réfléchi. Allez, réfléchis un peu plus, moi je vais parler à mes abonnés. Bon, si tu donnes 10 euros, je vais bien dire oui. Pff, alors là c'est mort. C'est quand même mon hamster et en plus il va redevenir gentil. Ouais mais Carlos, là je vais te trouver une vraie copine grâce à... Ah là j'avoue, c'est perturbant du valeur. Vas-y, va chercher la voiture. Puis il faut vraiment le... c'est un fou hein Carlos. Bon on t'attend. Ouais. Bon les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu là, c'est super important, et abonnez-vous, on va récupérer Luki. Et grâce à Alice, eh bien on va... Qu'est-ce qu'il fait? Et grâce à Alice, on va pouvoir le rendre comme avant. Ah ouais, bah, purée, t'as déjà ta voiture. Allez, rentrez dans mon bolide. Mais qu'est-ce que... Pourquoi t'es torse nu? Parce que regarde, elle s'est mise à côté de moi, hein. Mais non, elle s'est mise à côté de toi parce qu'elle avait pas le choix. Mais bon, non, c'est parce qu'elle adore Carlos que les personnes. Ah, tu sais que tu vas pas trouver une copine tout de suite, hein. Il faut que la vidéo sorte. Ouais, mais bon, moi je pense qu'Alice me trouve vraiment très 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 musclé. Ah, mais vrai, Alice. Non, elle te répond même pas. Voilà. Tiens, Carlos. Ouais, c'est ça. Bravo, moi je. Bah ouais, mais on n'y peut rien. Il te faut une copine alien. Moi je pense qu'il faut aller. Il faut aller sur la planète Mars. Et il faut aller trouver des copines aliens sur la planète Mars. S'il n'y a aucune humaine qui veut de toi, qui t'aime pas, qui est... Il y a le contrôle des frontières. Non, c'est bon. Barrière dépassée par le ci. Oui, il n'y a pas la douane de toute façon. Elle est plus là. De toute façon, j'ai caché dans le bœuf, t'inquiète pas. Cache la bœuf avant la douane. Ah oui, t'as écouté le nouveau son de Jules? Le nouveau son de Jules, ouais, c'est... je sais plus comment il s'appelle, purée.
C'est ouais, t'es sérieux, la folie. La folie, voilà, purée. Le nouveau son de Jul, trop lourd, je l'ai écouté ce matin, c'est un truc de ouf. Mais il avait leak un autre, enfin il avait pas leak, mais il avait, enfin si, lui-même il avait leak un autre bout de son et tout, et je le kiffais trop, donc j'ai hâte qu'il sorte celui-là. On est vraiment fan de Jul, moi et Carlos, et même Awaris aussi, il est trop fan de Jul, donc s'il y a des fans de Jul, dans les commentaires les amis, bombardez, dites ouais je suis fan de Jul et tout, c'est trop bien, en tout cas vous serez fan avec moi et tout, on va faire un groupe ensemble et tout. Pourquoi tu fais le tour, on tourne sur nous-mêmes? Parce que je me suis trompé de sens en fait. D'accord, ok. Bon, du coup, on se retrouve une fois qu'on est dans la première maison, dans la maison principale de Carlos pour retrouver Luki. Allez, à tout de suite. Ok, on est arrivé. Alors, du coup, dis-moi où il est là ton. Là, il est dehors, je crois. Ah, il est dehors. Ah, mais okay. Attends, peut-être qu'il est dans mon lit. Attends, va aller voir d'abord. Quoi, il dort dans ton lit, Luki? Oui, des fois, il dort avec moi et tout, se fait des câlins. Ah ouais? Oui, regarde, il a un petit peu de salade, un burger et tout. Il a pas été adapté, ah ouais, il en fait, est en train de faire du sport. Quoi? T'as une salle de sport dans ton sous-sol? Ouais, c'est vrai, ce qu'il a construit sur sa chambre. Ah ouais, mais purée, ça fait longtemps que je suis pas venu ici, hein. Ah bah ouais, ça fait très longtemps que tu viens jamais en même temps me rendre visite. Bah si, ouah, bah hey, dis donc, là t'as dû le ciné, elle va être contente là, hein. Ah bah oui, quand je vais la voir, elle va tomber love de Carlos, elle va dire « Oh bah Carlos, t'es vraiment le plus beau du monde !» Ah bah là, j'en doute pas du tout, là. Bon, ouais, pas non plus. Bon, ouais, donc ouais. On va dehors. Oh merde. Ouais, on va dehors. Quand c'est à faire? Non, j'ai réparé. Ok, c'est bon, t'as intérêt. Ouais. Parce que sinon, je te coupe les doigts. Aïe, mes doigts. Ça fait mal. Hop là, c'est parti. Est-ce qu'il est là? Alors. Oh mais là, salut Luki, comment ça va? Ouais, mais pourquoi il aboie? On a appris à aboyer, à faire le chat aussi. Luki fait le chat. Mais what? Oui, et c'est faire la vache aussi. Vas-y, Luki. Les amis, what the fuck? Il sait tout faire, Luki, maintenant. Ah ouais? Incroyable. Ouais, mais il est toujours agressif quand il et voit. Il sait même faire le trottoir. Viens vers Luki, viens sur le trottoir. Non, Luki. Va demander des sous au passant. Luki. Oh, regarde. Luki, reviens. Il a trouvé la clé. Allez, madame, donnez de l'argent. Vous voulez pas donner de l'argent? Wouah! Wouah, t'es sérieux? Ça perdit, là, il voulait pas donner l'argent. Non, mais ça tire à balles réelles ici. Ouais. Wouah. Oh, il fait le cochon. Ah, mais il fait n'importe quoi là. C'est un cochon d'Inde. Ok. Bon, du coup là, il faut que. Ah oui, t'as une piqûre et tout, ok. Mais qu'est-ce que tu fais avec la piqûre? Bah, elle va le rendre. Ah, bah c'est bon, Loki, on a tout appris, regarde, l'Inde, il a appris à faire tous les bruits. Bon, du coup, il faut qu'elle se charge de lui faire la piqûre, il redeviendra gentil. Ouais, bah, mais ça me fait mal d'en faire des piqûres à Loki, il est trop sympa. Bah ouais, non mais t'inquiète pas, c'est pas parce qu'il y a une piqûre que voilà, elle va juste lui retirer la puce et lui mettre un... Ouah. Bah alors, mais Luki... Bon, il fait des bruits bizarres, Luki. Ah ouais, il fait des bruits bizarres. Vas-y, bah tu peux rentrer dans l'enclos, hein, il te fera pas de mal. Là, il... Luki, mange la dame, attaque, Luki. Non, lève-toi du... Voilà, fais gaffe. Loki, c'est un chat de combat. Vas-y, fais-lui une piqûre. Tu bouges pas, Loki. Sinon, C'est bon. Oh, Loki, du coup, viens, Loki, viens voir. Viens. Vas-y, fais un petit tour sur toi-même. Oui, oh, trop bien. Bon chien, Loki, aboie. Voilà. Elle aboie plus. Bah, parce que ça a enlevé une partie de ce que tu lui as appris. Parce que... Faut la détruire. Mais non, c'est pas un chien, c'est pas un chien. Je vous le dis. Bon, j'ai un background, j'ai un perso. T'as un background? Ah oui, ok. Bon, du coup, Luki, il est redevenu gentil. Eh, merci beaucoup, Alice, regarde. Oh là là, il court partout et tout, il gambade, c'est trop bien. Il est heureux comme ça. Ouais, bah, waouh. Parti où? Ah ok, c'est une piscine, ok. Bon, très bien. Ouais, bah, on va le laisser gambader, on va discuter avec Carlos parce que Carlos, je pense que là il va être triste quand même qu'on aille le reprendre, donc viens, on va discuter avec lui. Voilà. Carlos? Ouais. T'es où? Je suis en train de regarder la magnifique boutique. Ah, la boutique! Ah oui, la boutique d'Awariz! Ah ouais, oh, mais oui, t'es partout! Ah oui, ouais, Awariz. Je suis partout. Awariz et Carlos, Souka et Awariz. Comme Souka! Oh, je suis là! Tiens. C'est les trucs de la survie. Et Loki, qu'est-ce que tu... Loki, serre mon canapé tout de suite. T'es plus bienvenu chez moi. Ah, il a dit non. Tu sers de ces petits cours. Allez. Sinon, c'est pareil, hein, je te bute. Hein. Non.
Je me mets en travers. Bon, Carlos, j'avais envie de te dire, je sais que ça peut être triste et tout que tu le reprennes, mais à la base déjà, il était pas censé être pour toi. Et voilà quoi, genre. Moi, j'ai pas envie de te faire du mal. J'ai pas envie que ça se passe mal entre nous et tout. Mais c'est juste que c'était le mien et tout. Tu t'en parleras à Dédé. Tu diras qu'il pourra quand même venir le voir à la maison quand il veut. Toi aussi, tu pourras venir le voir quand il veut, avec Loupi en plus. Et peut-être qu'ils feront peut-être des petits bébés hamsters et que je pourrais t'en donner plein. Ah, de bébés hamsters. Ouais. Oh, ça peut être drôle, ça. Tu en penses quoi, toi, de bébés hamsters? C'est mignon. Tu pourras leur apprendre plein de trucs. Ouais, je vais leur apprendre à fumer la chicha. Waouh. Non. Alors, je te donne pas des bébés hamsters pour que tu fasses ça. Ah, ben non, mais non. Si je vais leur apprendre à construire des maisons. Ah bah, il continue, yes, Luke était pas encore bien guéri. Bon, faudra lui remettre une dose, Alice. Oui, on s'en occupe. Comme ça, moi, ces bébés seront aussi bêtes. Double ration pour Luki. Non, mais tu leur apprendras des trucs bêtes à ces bébés, mais Luki, moi, j'ai envie de le garder intelligent, ok? Ça peut être bien, ça, Luki, faire des bébés sur Minecraft, ouais. Bah ouais, ça peut être trop bien, avec Loupi et tout, et en plus, je t'en donnerai. Yes. Ok, bah, pas de soucis, ça me va. Bon, bah, nickel. Tu voudrais bien nous ramener à la maison? Parce que là, c'est vous saoulez, ça me fait des allers-retours. C'est pas toi qui parle de ça, ça. Bah ouais, mais attends, mais n'importe quoi, t'as une voiture électrique, Carlos. Non, elle est pas très électrique, d'affaire. Ah, elle est hybride. Ouais, c'est vrai, elle est hybride. Bon, vas-y. Comme les plantes. Ah ouais, comme les plantes. Ok. Hop là, bon, c'est la petite voiture de Carlos, allez, rentrez. Vas-y, go. Ah là, Loki monte. Ah, Loki, il est monté. Bon, il bug un peu, il glisse. Mais... Ah, Loki, t'as un problème, t'es encore trison, mec. Bon, du coup, ouais, mais elle est lente ta voiture. Bon, du coup, les amis, oh là là, on va rentrer à la maison et ça va être nickel. Bon, allez, on se retrouve juste quand on arrive comme ça. On le remet dans son petit nid douillet. Allez, à tout de suite. Ok, c'est bon, on est arrivé. Carlos, bah, il avait plein de trucs à faire, donc il nous a laissé. Il est reparti un peu assez vite. Je sais pas, il était un peu bizarre. Donc regardez, il est là, Lucky, trop bien. Il est là. Ouais, il est même tout content d'être là. Regardez, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Et en plus, bah voilà, normalement il est bien. Il a plus de trucs bizarres. En plus, il va revoir Loupi. Regarde, il y a Loupi. Wouh. Ah ouais, il est trop content. Regardez, il est trop content. Waouh, oh trop bien. Bon, elle est en train de dormir comme d'habitude, mais voilà, elle est trop content. Il est super heureux en plus, hein, ça se voit. Bon, du coup voilà, les amis, cette vidéo va toucher à sa fin. Bon, donc merci beaucoup à Alice Purée. C'est vrai que Alice et Alicia, ça se ressemble, hein. Alice. Oui. Bon voilà, bah merci beaucoup à Alice qui nous a aidé à refaire vivre Luki. Donc ne partez pas tout de suite les amis, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Premièrement, allez me suivre sur Instagram, c'est super important pour me mentionner dès que vous recevez vos produits, ou même je poste des stories, je raconte ma vie tout le temps, et si vous voulez m'envoyer des messages, c'est le meilleur moyen que je puisse voir votre message et tout. Donc voilà, allez voir mon Discord pour avoir un code de réduction également pour la boutique, et allez voir ma boutique pour acheter n'importe quel produit. Il y a des stickers, il y a des mugs, il y a des serviettes pour la plage et tout, parce que en ce moment il y a plein de gens qui vont à la plage et même moi je vais bientôt y aller. Il y a des sweats, il y a des chaussettes, il y a tout et n'importe quoi. Donc allez sur la boutique teespring.com/store/oxymose. Tout est dans la description. Si vous voulez avoir une dédicace pour la vidéo de demain, vous devenez sponsor. Et comme d'habitude, pensez à commenter, à liker, à partager, c'est le plus important. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Oxymose pour vous servir. Allez, ciao.